Bonjour, VOD. La dernière VOD, je pense pas que je la mettrai en ligne parce que j'ai eu un crash. Je me suis pas rendu compte tout de suite, j'ai eu un crash OBS à cause du jeu un petit peu gourmand et pas très bien optimisé surtout. Et du coup, bah, ça m'a coupé en plein milieu d'un truc. Enfin voilà, je sais pas, j'essaierai de la mettre en ligne peut-être un peu coupée. Ce sera coupé bizarrement, mais voilà. Et si c'est coupé bizarrement, c'est pour ça. Mais nous sommes du coup de retour sur Hogwarts Legacy. J'ai joué hors live parce que j'ai des soucis à le stream, le jeu malheureusement. Et j'ai aussi des soucis hors live en fait. Le jeu est pas bien optimisé même sans faire tourner OBS à côté. Donc j'ai un balai. J'ai un look infinitésimalement magnifique. J'ai un swag effectivement assez interdimensionnel je pense. Et j'ai avancé un petit peu dans les quêtes principales machin, mais c'est pas passé. Deux trucs importants parce que j'ai pas avancé dans les quêtes qui ont beaucoup de signification. J'ai avancé surtout dans les quêtes qui te permettent d'obtenir des nouveaux trucs, notamment la salle sur demande qu'on a ici. Ultra swag. On ira plus tard. Bon, allez, quand même au cas où. La salle sur demande, du coup le balai. Les talents, bon ça c'était avant, et puis quelques petites quêtes aussi où je vais faire des livraisons du coup. J'ai découvert un petit peu certaines zones du jeu, mais assez proche encore. Et je crois que j'avais des trucs à identifier peut-être, non c'est bon. Identifier, du moins, pas pour l'instant. Donc voilà, ça c'est ma petite salle sur demande qui est grande parce qu'ils nous l'agrandissent et c'est trop bien. La salle sur demande, je ne parle pas non plus, je parle pas d'autre chose. Et il y a un truc qui me saoule, c'est que il y a des éléments de décor que je ne peux pas faire, que je ne trouve pas, que je sais que j'ai débloqué. Genre un escalier en ruine par exemple, j'ai débloqué ça comme truc à invoquer, mais je ne sais pas où le mettre. Donc peut-être que je débloquerai ça plus tard, mais voilà, il y a des trucs que j'ai pas, je comprends pas pourquoi. Des bisous Jox. Il vous fait des bisous VOD. On n'a pas été pompé jusqu'à la moelle pour en faire... Oh bah... Pas encore, Jux. Et encore, un petit peu, je sais pas. C'est à voir, ça dépend des points de vue, mais effectivement... Effectivement, on ressent moins ça avec Harry Potter, avec l'univers d'Harry Potter. Bon, des bisous en tout cas, à très bonne nuit, Jux. Et du coup, on a... J'ai une quête principale à faire juste dans le coin, donc on va y aller. Let's go. La VOD, vous voyez pas toutes les bêtises qu'on peut dire en live. Genre, prout. Ils les entendent. Parce que souvent... le chat ne fait pas que dire. Il fait. Je sais plus ce que c'est que cette quête-là. Je crois que c'est juste un cours. Je sais plus. En tout cas, je vais y aller, mais je devrais peut-être... Mais je viens, mais faut... Voilà, par exemple. Faut que je mette un point aussi, je suis un peu débile. Hello, Hunter. Hunter Roy. Un chat. Un chat! Voilà, j'en étais sûre, j'ai dit! Nous avons dit le mot pour toi, la VOD. Il pense à vous. Un bengal! Mais la fuite, c'est pas possible, elle est mouillée constamment en dessous. Comme si ça coulait en permanence. Mais oui, mais c'est ça! Bon, c'est un truc que j'avais eu en cadeau, hein, mais c'est bien pourri. Pardon! Ouais, le minou, on dirait que c'est un bengal. Oh bah, il a changé. Il s'est changé. Maintenant, c'est un minou tout dark. Fais attention à ce que tu fais. Oula. J'ai besoin d'ingrédients de potion. Et qui s'excite, là? Ne me regarde pas comme ça. Je t'ai déjà dit que je réfléchissais seulement. Comment est stylax, le chat? J'avoue. Pour le moment, je pense qu'on peut avoir des ennemis de compagnie, machin. Mais j'en sais pas plus. J'ai un bengal, bordel, mais c'est une plaie. De vue de santé, etc. Ouais, ouais, et puis ça coûte une blinde, hein, les vrais bengales. Hein. C'est des très beaux chats, mais c'est vrai que ça coûte une blinde comme petite boule de poils. Et du coup, c'est des chats qui risquent de se faire voler, donc si toi, de base, tes chats, ils sortent, bon, bah, malheureusement, il y a des chances pour que ton pauvre petit chat, il se fasse embarquer. J'ai des gens dans ma famille qui ont acheté un... C'est les très grands chats là, c'est les Maine Coon. Oui c'est ça. Je crois que c'est les Maine Coon. Et du coup il a tout un pédigré machin. Voilà.
Ouais, c'est ça, Diox. Et déjà, bah voilà, c'était plusieurs milliers d'euros, je crois. Hein. Et en plus, comme il disait, bah il le... Morsigochas ! Quand il sort maintenant, bon, aussi, il a eu un accident récemment. Mais avant, ils voulaient même pas du tout qu'il sorte, parce qu'ils avaient peur qu'il se fasse voler, quoi. Et c'est con. Non, non, c'était bien Maine Coon. C'est encore plus gros. Ouais, non, c'est un Maine Coon. Il est très beau chat et tout, mais moi, je me dis, mais... C'est trop triste de... avoir un chat pour qu'il reste enfermé, quoi. Si t'as les moyens de le faire sortir, parfois t'as pas les moyens, je comprends tout à fait. Mais je vais mettre un tout petit peu moins fort. Oui, je vais bien, et toi, Hunter? Et je me dis, voilà, je me dis que bon. 1005 pour un mâle, encore plus pour une femelle. Là, c'est un mâle. Ouais, ça devait être 1005, 1005, c'est sûr. Et voilà, t'as vraiment... Lui, ça se voit que c'est en Maine Coon, pas croisé, machin. Il a complètement tous les trucs et tout. Et il y a des vols de ces bestioles. Ils sont plus ronds, les cyber. Ouais, là, le Maine Coon, il est plus en longueur, il est haut. Et avec une gueule un peu grosse. C'est stylé. Bon, let's go pour la quête principale. Voilà. Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Écoutez, professeur, tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti. J'ai reçu de nombreux messages de Scrop, l'elfe de maison du... Ah oui, Scrop, oui, j'avais déjà oublié. Vous a envoyé des messages? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé. Où devriez-vous apporter du pain grillé? Jusqu'à une grotte sous le lac, où j'ai trouvé le fantôme de Richard. Ne t'écoutons pas. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes? Oui, et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement... J'aime bien qu'elle soit animée, l'écharpe. Il s'agit d'une... Je trouve ça très cool. C'est un peu le bordel encore sur animation, mais... Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Alors, j'ai vu une question... Une loi étrange! Attendez, je vais lire ça tout de suite. Tac! Je sais juste plus où elles sont mes lois étranges, ça fait tellement de temps, faut que je change ça depuis longtemps. Mais en ce moment, mes VOD me prennent tellement de temps à mettre en ligne. Parce que j'essaie de rattraper mon retard. Alors... Dans quel pays est-il interdit de tendre un fil de linge au travers de la rue? Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Oui, les savanales pour les... Percival Rackham nous y attend. Salut Ert! Les savannas, effectivement, c'est les chats qui sont même pas... Enfin, c'est les plus grands chats qui soient, je crois. Merci Ert! Pas que le chat bouffe l'enfant en pensant que c'est un morceau de poulet, c'est clairement oui! Bah c'est ça en plus, c'est qu'il faut vraiment... ces chats, faut avoir de l'espace, parce qu'ils ont vraiment besoin de courir, de se dépenser. Il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir gérer leur... leur côté tout foufou, machin. En bref, c'est pas... Non, les savannas, c'est pas comme ça. Mais c'est joli. La Chine, non, c'est pas en Chine, c'est en Europe. Dans un pays d'Europe qui est interdit d'étendre un fil à travers une ruelle. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Chouka les lui a volées ensuite. Ah, Peeves. Ah, Peeves, mais il est trop drôle, Peeves. Bon, ça a l'air d'être un sale con, mais il est trop drôle. On descend, hein, c'est bien ça? Oui, je sais pas, il va pas devant. Y'a rien ici? Un coffre, mais c'est un coffre avec l'œil. Que je peux toujours pas ouvrir. Hein. Comment ça va? Bah tranquillou, on a fait un petit géogasseur avant, qui était bien cool. Même si je suis très nulle. Et là, on essaye de jouer... J'ai cru voir un truc passer sur mon visage. On essaye de restream Hogwarts Legacy, puisque bon, la dernière fois, il y a eu des petits soussailles. Mais là, on est parti pour un peu de quête principale. Cache ma teuté. Que ça a toujours été si près. Oh, mais cette salle, comment elle est belle!
Mais ça, je t'ai rattrapé du coup. Dans Hogwarts Legacy ? Mais tant mieux, comme ça, vous pouvez venir sans vous spoil. Mais me spoilez pas, moi. Et non, et pour la... Oh, je le dirai après. Ça s'annonce prometteur. Oui. Il faut vraiment que j'avance dans la quête principale. À chaque fois, je vois le niveau estimé. Je suis niveau 20, 23 peut-être même là, je crois. Et je fais des trucs niveau, niveau 8. Oh la classe! Une carte. Voilà, oh, voilà. C'est ça, Dioc. C'est quasiment un serval en fait, le Shavanna. C'est trop ça. La forêt interdite est bien sûr. Ouais, c'est un comportement un peu différent que les chats classiques. Majestueuse. Ah, et puis c'est vraiment impressionnant comme bête. Mais ouais, quand tu t'engages à ça, faut savoir quoi. T'as pas ça dans un appartement classique, hein. Un petit appart de ville, là, vaut mieux éviter d'avoir un Savannah, quoi. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Je suis haut level par rapport aux missions, toi aussi. Pareil que toi, ouais, d'accord. Oh! Ah bah oui, c'est cette salle-là. Et pour la loi étrange, c'est au Royaume-Uni qu'il est interdit de tendre un fil à linge entre deux rues. Enfin, d'une rue à l'autre, d'une... à travers la rue, tout simplement. Pas entre deux rues du tout, ça veut rien dire. Je me cache parce que je pense que cinématique il va y avoir. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. En France, non, c'était au Royaume-Uni. Voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme. Ah, il y a des épreuves. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts? Bon, pas une cinématique intéressante. Vous souvenez-vous de ce que vous... Ah, non, pas du tout. Je me souviens d'avoir vu souviens très souvenir, mais je ne m'en rappelle pas les détails. Mon ami Charles et moi-même parlions du porte-au-loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Et Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardés secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Attends, j'ai pas compris. Ce que je vais faire, ça va influencer ce que je vais faire. Apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur... Bah si ça prend du temps, c'est pas que quelques minutes. Secret. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Il parle vraiment comme un PNJ, hein. Je veux dire,
C'est pour le coup, c'est une voix off qui t'explique. Je connais cette. C'est pas très subtil, quoi, c'est dommage. Vous l'avez peut-être vu, vous aussi. Elle me dit. Oui, chose. Si. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous mais oui, la tour, je l'ai vue, oui. Vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préolard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez. C'est joli quand même. Très théâtral. Ok, du coup, faut que j'y aille maintenant. Par là ? C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Ah, c'est par là. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Je fais une quête. Quoique, je vais peut-être pas le faire tout de suite, si. Prochain le professeur Fig à la tour. Oui, non, ça peut être que après, c'est pas la suite logique, là. C'est pas la continuité. D'une quête là. En gros, ma quête c'était juste d'activer ça, mais maintenant ça va être d'autres quêtes. Je me mélange dans ma manière de penser. Je vais voir un peu la prio là. Je vais arrêter d'être à pied aussi, pas déconner. Quête. Ok. Épreuve de Percival Bakam. Ça, c'est la quête principale. J'ai des devoirs de Kogawa, c'est celle des balais. Non. Si. Je sais plus. J'ai Bulbille. J'ai Sharp. J'apprends un plus au Glacius. Gardium Leviosa. Leviosa. Oui, c'est bien ça, du coup, tout à l'heure. Enfin, avant. Levioso. Parce que c'est un autre sort. Un peu saoulé, j'ai coupé le jeu quand j'avais des quêtes annexes qui m'intéressaient. Bah reprends. Si ça t'intéresse, go. On va peut-être faire des petits trucs pour suivre les papiers, on peut pas le faire tout de suite. Ça va être bientôt bon. Essai en vol. Je vais peut-être faire ça. Et après, quelques devoirs peut-être. Éclater les ballons. Ça, j'ai éclaté des ballons. Mais pas ceux-là. Là, faut que je fasse quoi? Obtenir une tique. Et utiliser une tentacule vénéneuse. Obtenir et utiliser une mandragore. Mais j'en ai pas trouvé des mandragores. Moi, ça, je veux bien, par exemple, mais c'est. J'ai pas d'endroit où aller pour avoir des mandragores. Ça m'indique rien. Oui, voilà, c'est ça. Levioso. Aux jambes aussi, du moins que je me repose. Oui. Après, le moment du repos, peut-être plus tard. J'ai trop de trucs à ouvrir, mais je peux pas les ouvrir. Ok. Du coup, ces quêtes-là, va falloir les faire de sur le côté en gros. Non, je suis 21, je suis pas 23. Ça, c'est le genre de truc que tu fais en même temps. Je vais faire les 7 vols, comme ça me fera peut-être faire en même temps le truc du professeur Sharp. De faire les trucs au-dessus du Quidditch. Mais je pensais avoir déjà éclaté des ballons, mais j'avais pas cette quête qui m'était donnée. Du coup, bah en fait, je l'ai déjà fait, mais trop tôt. C'est là-bas. Et si je clique là-bas. Ok, mais est-ce que je peux au moins me TP pas loin? Non? Même pas? Ah.
Ah. Quand même. Attention. Attention, je me trompe de bouton. Go ! Je peux faire ça quand je veux maintenant. C'est typo dingue. Je choisis évidemment le balai qui crame. Ouais, mais je pense que Sam, il a juste. Le gars, il l'a juste. Il avait juste pas envoyé la première fois. Je pense qu'il fait genre, oui, je vous en renvoie un si vous l'avez pas reçu, machin. Mais en fait, je pense que la première fois, il te l'avait pas envoyé. Ah, si, d'accord, du coup, j'ai reçu ce soir. J'en ai encore en route. Je vais devoir lui renvoyer. Ah, d'accord. Ah, oui, non, trop bizarre. Bah, si t'en as plusieurs, après, si c'est pas. Bon, je sais pas. Je sais pas qu'il cramait ce balai. Bah de base quand je l'ai acheté en fait il y avait le bout qui était déjà cramé. Et du coup moi j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire les balais qu'il y a là. Bon, j'espère que le fait que j'ai pas sélectionné la quête, ça va pas faire que ça... Enfin, ça va quand même marcher. Bon, j'ai trouvé que 3 ballons, il n'y en a pas d'autres. Ah si, ils sont plus hauts. J'avais pourvu. Je fais ça vite fait, et puis après je demande à Imelda Reyes, elle va sûrement me faire une course ou un truc comme ça. Ok, c'est bon. On pense disponible dans les défis. Défi réussi, éclater des ballons. Tout à fait. Et si je vais dans mes quêtes, est-ce que c'est good? Oui, hein, c'est bon. Apparence de balle. Du coup, si je vais dans l'équipement... Mais non, il n'y a pas mon balai. Il n'y a pas mon balai. Non, c'est pas grave. L'as du balai de Serpentard nous fait l'honneur de sa présence. Oh toi. Oh toi. Attention hein. Bonjour Imelda. Albi Wix m'a dit que bon, je pourrais tester. Je vais me couvrir, j'ai froid. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Je pourrais faire tellement de blagues. De vol. Alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Enfin, on a des vrais... On a une peste. Parce que ça manquait un peu, hein. On dirait que t'es jalouse, j'avoue. Je ne sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que tu es jalouse. Moi... C'est pas du tout ce qui était écrit en dessous. De Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une fameux fauteur de troubles. Les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. On accepte n'importe qui à Serpentard maintenant. Ce vieux chapeau décrépit devient gâteux. Mais assez parlé. Pas la peste, non? Oh bah, faut bien faire le job, hein. Qui vole le mieux. Je l'aime pas trop. C'est bien, Imelda. Sur ce parcours. Voyons. Qu'à un moment, je lui dis, j'ai rien reçu, renvoie. Ouais, bah, il y a peut-être qu'après, il utilise Google Trad, genre, il parle que... Vu que c'est un vendeur qu'en Chine, c'est possible. Quel genre de circuit? Let's go. Tu peux m'en dire plus sur ces circuits? Tu essaies de gagner du temps, cinquième année.
Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a 3 parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Let's go. Après tout, pourquoi pas? Cinquième année, ouais, c'est vraiment un surnom nul. J'ai tellement hâte de te voir perdre. Non mais c'est bien qu'on ait un peu des pestes et tout, parce que pour le moment, on n'avait pas. Je l'ai fait. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ça c'est des bulles que je connaissais pas, ces bulles-là. Oh, mince. Je fais n'importe quoi. Ouais, d'accord, faut vraiment que je passe dans ces boules. Annie, tu passes on the balls. Magnifique. C'est plutôt amusant. Bon, j'aime bien que la caméra soit pile poil derrière le balai. Mais je peux pas changer ça malheureusement. Je vois rien. J'adore cette sensation. J'ai réussi. Je suis très concentrée. Je corrige constamment ma trajectoire. Et parce que la caméra aussi, vu qu'elle bouge, bah en fait, si je veux... Voilà, là, par exemple, la caméra, j'aime pas du tout comment elle est placée. Si je veux pouvoir la bouger, et ben, faut vraiment que j'anticipe avant le fait de pas de bouger aussi ma manière de diriger mon balai. Voilà. Vous avez vu un peu ? Beaucoup trop strong, la fameuse ! Professionnel ! J'ai fait quitter. J'aurais préféré faire valider. J'aime pas trop bien Sébastien non plus, l'autre mec dont j'ai oublié le nom. Un relou aussi. Beaucoup trop de quêtes avec des cases bonbons dans le jeu. Je crois qu'ils sont tous serpentards. Alors oui, ils sont tous serpentards, je pense, la plupart du temps. Parce que, comme je dis, l'univers a été créé de manière extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il y a les méchants et les gentils. Voilà, en gros, c'est ça. Du coup, une école de méchants, une école de gentils et deux écoles dont on s'en fout. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord. Mais Sébastien, ça va, je l'aime bien. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien. Tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire... Le clavier, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple parce que je vois tout le monde galérer. Je sais pas, ça m'avait pas paru dur. Juste, bah, c'est la caméra qui est chiante à gérer un peu. Mais le reste, ça va. Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin bref. Il est près d'Irondale et présente un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Albiwix. En vrai, c'est largement pire que dans les films. Ah oui, non, mais moi, je dis ça de, surtout en, au vu des films. Les jeux reproduits sont d'ailleurs plus inspirés des films que des bouquins, je pense, quand on voit les décors qui sont exactement les mêmes que les films. Mais voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça très nul de faire genre, t'as 4 écoles sur un pied d'égalité. Mais en fait, en vrai, non, t'as les méchants et les gentils. Et t'as 2 qui servent à rien. Parce qu'en vrai... En tout cas, je sais pas comment c'est dans les bouquins, mais dans les films, les autres écoles, on s'en fout complètement, quoi. Mais oui, le coup d'une épreuve où tu dois aller dans des... tu dois choper des trucs en allant dans des cerceaux, machin, c'est classique dans plein de jeux. Des jeux où tu vas avoir une course, un truc comme ça. Sam, pour te répondre.
Ça va, Ragnarok Ravensong? Quel plaisir de vous revoir. Ok. Faut que j'aille voir Albiwix. Ah bah oui, faut que j'aille voir le vendeur. Ah oui, je vais y aller maintenant parce qu'il va me... Déjà, faut que je vende des trucs. Et il va me débloquer des améliorations pour mon balai. Mince. C'est ça que je vais faire, voilà. Ça va et toi? Oui, ça va. Maintenant, je peux enfin explorer le monde depuis le balai. Autant les films que les livres, les maisons, les personnes ne voulaient pas aller en... On entend parler, c'était Pouf Souffle et ensuite Serre d'Aigle. On n'avait que pour Gryffondor et Serpentard, exactement. Et en vrai, il y en a surtout que pour Gryffondor. Serpentard, c'est juste des méchants. Et en fait, je trouve ça nul comme principe d'avoir en fait vraiment deux camps, quoi. Dans le jeu, apparemment, Serpentard à la côte. Bah, je pense que c'est parce qu'il y en a un petit peu marre de Gryffondor et que bah, les deux autres écoles... Pouf Souffle, finalement, un peu la côte aussi. Je pense que Serre d'Aigle, on entend moins parler. Mais Pouf Souffle étant les gens humbles, bah ça change un peu aussi. Et Team humble évidemment. Mais c'est que voilà, ça c'est pour un peu aller à contre, je pense, prendre le manichéisme de l'univers un peu à contre-pied. Parce que bah moi je trouve que c'est pas un principe très intéressant. Et moi qui regarde les films en ce moment, je vois un truc, c'est que on essaie beaucoup de faire genre. Harry, il a un côté sombre, genre, il y a des personnages qui ont soi-disant des côtés un peu sombres, machin. Le seul personnage un peu complexe, c'est Rogue, mais en vrai, ils ont que dalle des côtés sombres. Enfin, dans les films. Encore une fois, voilà. Dans les films, même si on essaye, hein, mais vraiment, il y a tellement des camps très définis, avec des méchants qui sont méchants pour être méchants, des gentils qui sont gentils pour être gentils aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Voilà, il y a un peu des quêtes de vengeance personnelle qui sont très gentillettes, on va dire, mais c'est... Je trouve que c'est... C'est vraiment pas complexe quoi, dans la manière de voir les choses. Et d'ailleurs, je trouve aussi que, je sais pas comment c'est le suivant, mais je dirais dans les 2-3 derniers films, il y a vachement de trucs qui font très Seigneur des Anneaux. Il y a vachement de scènes qui font penser de ouf. Je sais pas, encore une fois, c'est pareil dans les bouquins, mais dans les films, on reconnaît des directions que prend le truc, des scènes, des mises en scène, des façons de faire qui font trop penser au Seigneur des Anneaux. Je me sentais entre Gryffondor et Serre d'Aigle. Les caractères des maisons et les miennes, et au final, dans tous les tests, je tombe dans les Pouf Souffle. Ouais, c'est beaucoup ça. Mais je crois que Pouf Souffle est une maison, au contraire, qui correspond à beaucoup de gens, hein. Enfin, d'après les tests. Je sais pas pourquoi, mais bon, why not. Mais comme je dis, parce qu'en fait, Pouf Souffle, c'est les gens qui sont pas... qui sont pas chelous. J'ai l'impression, hein, en vrai. Et qui veulent pas se la péter. Go, j'avais pas vu ça. Article de sport Bobal. Cette boutique animée de Prolar est tenue par Albiwitz et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment les tout derniers modèles de balais. Les rumeurs prétendent qu'Albiwitz crée lui-même des améliorations de balais. Parce qu'il vend des balais. Et il modifie les balais. Parce qu'il aime beaucoup les balais. Surtout celui qui a dans son... pardon, excusez-moi, je me suis emportée. Le personnage est très gentil. Tous les acteurs des films sont dans Pouf Souffle. Ah, ils ont tous fait le test. D'accord, c'est marrant ça. Bah oui, ça correspond en fait à une norme. Incroyable, Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Mito. Oh, merci. Non, bon, en vrai, c'est parce qu'on doit lui faire un rapport. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Les petites améliorations. Qui doutez-vous? Pourquoi douterait-on de votre capacité? Parce qu'il est jeune. Ah, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ah non, parce qu'il disait ça au début, hein. On le vannait sur sa jeunesse. Inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Moi, je veux les animaux, moi. De tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi.
Et où en serions-nous sans mes trop bizarre, les gens font la sieste, tu vois. Si Elliot, il y en a, ils dorment pas la nuit et ils jouent jusqu'à 6h du mat à Hogwarts Legacy. Je n'aurais jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. Il s'est pas volé. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il savait pas voler. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Tout à fait. Allez. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je peux l'avoir tout de suite ou pas ? Je vous contacterai très bientôt. Ah, je peux pas l'avoir tout de suite. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Mais ils vont quoi là ? Là tout de suite, du coup, c'est des balais. Bon, voilà. J'hésitais entre celui-là. Non, celui-là, je crois. Je sais plus. Voilà, bah c'est le tempérament de feu que j'ai pris, c'est celui-là, parce que bah forcément j'ai vu les braises, et que je suis très influençable. Celui-là, non. Oh, je crois que c'était celui-là que j'aimais bien. Cet article est d'excellente qualité. Ah non, c'était celui-là. Voilà, j'hésitais entre celui-là et l'autre. Je l'avais pas vu. J'aime bien son côté tout pourri à ce balai. Mais bon, je vais pas en acheter, évidemment. On va vendre. Ravi de faire affaire avec vous. Ah oui, j'avais pas le niveau pour le mettre, je crois, celui-là. On va pouvoir le mettre maintenant. Oh! Merci de votre visite. J'aime bien celui-là parce qu'il est tout pourri. Un peu ça, ouais. Non, franchement, j'aime bien son côté tout rachitique et tout qui se la pète pas, tu vois. Tout genre, ouais, ok, d'accord, je suis un petit peu frêle. Mais quand même. I'm the ballet. On est trop les gens qui font la sieste, c'est quoi ça? J'ai beaucoup trop gentil pour moi. Les poufsouffles. En même temps, c'est plus introverti, donc ça doit être pour ça que je tombe dedans. Ouais, c'est des i. Level 22, 22. Alors, attendez, on va s'équiper. On va s'équiper. Maintenant, je peux mettre mon nouveau chapal. Bah, il est joli, mais bon, maintenant, on va garder ce look. Tac, tac. Ouais, celui-là, c'est un 65. Nouveaux emplacements. Ah, dégâts infligés par les araignées réduits. Ah ouais, j'ai des attributs, j'ai un attribut anti-venin. Incroyable, c'est incre quoi. Après, quand j'aurai une tenue verte, serpentard, tout ça, je mettrai, mais pour le moment, niveau vert, j'ai pas grand chose. Non. Par contre, je vais voir dans les transfo, machin. Voilà, c'est ça le truc vert que j'ai, il est vraiment pas joli. Hein. Ah oui, j'ai une armure maintenant. C'est pas fou. Non mais la cape elle est trop bien. Elle me va trop bien. Bah c'est bon. Des talents! I've got some talent. Est-ce qu'il y a de la magie noire qui a été débloquée? Les ennemis maudits. Mais est-ce que je maudis un peu moi des fois? Mais je me suis pas beaucoup battue aussi. Restaure un peu votre santé. Ah mais si! J'avais pas remarqué, c'est quand la flèche, la croix verte. Ah bah si, j'en ai eu plein avec des croix vertes. Oh trop stylé, regardez ça! Ok. Et des filles, qu'est-ce que j'ai débloqué? Explo. Bah rien. Si ça? Ah si, non. Non. Non, c'est que. J'ai rien débloqué? Pourquoi tu me dis point d'interrogation? J'ai un nouveau! Ah, c'est peut-être que j'avais pas genre ce truc-là ou... Oh, je sais pas. Je sais pas. Et pourquoi le truc sur la salle sur demande, j'ai pas. Regardez, c'est comme là, dans collection. Je vais vous montrer. Invocation. Invocation, c'est le truc qu'on a avec les créateurs et qu'on a dans les salles sur demande. Et ben, voilà, là-dedans... Par exemple, le sapin ou le dodo j'ai, ou le bureau, mais j'ai débloqué aussi ça, escalier en ruine, et ça, une haute arche, et ça, une lumière. Pour éclairer vos vivariums, j'ai pas de vivarium. Bref, c'est des trucs que je peux pas mettre nulle part. En fait, je les trouve pas quand j'essaie d'invoquer.
Donc ça dégoûte. On va se casser. Oh, j'ai trop de cadenas partout ici. Et je m'étais promenée en live pour un petit peu débloquer des trucs et tout. Mais j'ai trop de cadenas maintenant. Par contre, ce que je peux faire, c'est les trucs de Kogawa. La prof Kogawa, on va aller au niveau de la gare. La gare de programme. Faut que je fasse carte du monde, il me semble. C'est où Prolar ? Là ? Région nord de Poudlard. Région Est. Il y a un autre chatal. C'est quoi ça? Petit campement de bandits. Un centre de Poudlard. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est là Poudlard, je suis stupide. La gare, je sais plus où elle est. Oh, je sais pourquoi j'ai envie d'être en inversé. Ah, elle est là. J'ai pas débloqué le feu, monsieur. J'ai pas débloqué le feu de la gare de Préolard. Je mets un point, mince. J'ai mis un point violet. On va y aller. Mais faut que je sorte de ça, de cet endroit. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? C'est dans une nouvelle partie que tu vas débloquer. Attends, de quoi? Une nouvelle partie. Faut que je recommence une partie pour pouvoir débloquer les trucs que je débloque dans cette partie? Attends, mais dis pas que c'est ça. C'est une blague. Oh, j'espère pas, hein. Quasi rien qui change entre les maisons. Un peu décevant. Ouais, un peu décevant, carrément. Quasi pas de quête secondaire différente. J'avais appris qu'il y avait qu'une suite, qu'une quête secondaire ou une suite de quêtes secondaires, mais voilà, une même, quoi. Je me suis trompée de touche. Ah, une nouvelle partie de la session de monde. Ah, pardon, pardon. Je commençais à gueuler dans ma tête. J'étais chafouine, hein. Ok. Where are the other balloons? Non. Ah, ils sont bleus, les balloons. Ah, là-bas. Fantastique. J'espère que ce sera quand même plus que ça. J'aime pas que c'était si peu. Bah en fait j'avais entendu ça sur un stream quand je me renseignais pour savoir si j'allais prendre le jeu ou pas. Vu que je m'étais pas du tout renseignée à ce niveau là. Et ça m'a pas trop surprise. Hein. Les embranchements vraiment différents en fonction du personnage dans les open world. On l'a vu avec Cyberpunk, j'ai l'impression que c'est quand même pas commun quoi. Mais c'est dommage, je suis d'accord. Il me manque un balloon, je pense, non? Ou alors c'est tout bon? J'ai peut-être pas vu le succès, mais je crois qu'il m'en manque un. Oh bah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. Par contre, il me faut le feu. Il est là. Ah, il est là-bas. Mais il est si loin que ça? Mais what the fuck? C'est plus la gare si c'est à 15 km. Mais en fait c'est pas le même, c'est pour ça. Par contre là, c'est de la thune ça. Je peux looter. Ouais. Oh, il y a encore des sous. Mais c'est génial. Ah oui d'accord, en fait c'est complètement un autre feu là que j'ai visé. Je me suis trompée. Moi je sais qu'il y a pas des petites différences, même pas grand chose. Ouais. Des trucs même qui n'impliquent pas forcément une suite de quêtes ou des trucs comme ça, mais... On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Arrête de dire ça pour chaque truc. Mais au moins la manière dont certains PNJ interagissent, à part juste dire
Ah, toi t'es une Serpentarde ou toi t'es une Gryffondor et t'as pas grande différence en fait. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être aussi... aussi certaines... Voilà, juste même certaines phrases que t'entends quand tu passes à côté de quelqu'un dans un couloir, des trucs comme ça. Genre, un petit peu à la fable, quand t'es méchant ou gentil, tu vas voir les personnages, les PNJ, voilà, classiques comme ça, qui vont réagir différemment en fonction de ça. Et ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Ça change quand même beaucoup de choses sur les dialogues et la facilité de certaines quêtes. Bah, je trouvais qu'en fait, il y avait genre... Enfin, j'avais l'impression que ça changeait juste quelque chose si t'étais corpo ou pas. Mais que entre nord, comme ça, je sais plus ce que c'était, les nomades et les... et Ghost de Rue, j'avais l'impression qu'il y avait très peu de différence. Mais c'était peut-être qu'une impression vu que j'ai pas fait... Sauf des quêtes faisables minimum par certaines origines. Ah, ça, je veux pas ça. Ça, je savais pas du tout par contre. Pour moi, ça ouvrait surtout des actions faisables uniquement si t'es machin ou machin. Et ça, ça aurait été sympa aussi. Que sinon, bah, une quête, tu puisses avoir un dénouement différent si tu l'as fait en tant que Serpentard, en tant que Poussous, en tant que Serdaigle ou en tant que Gryffondor. Certaines quêtes, au moins secondaires, puissent terminer différemment. Ou avoir voilà, que t'aies des facilités différentes ou des possibilités de la réaliser différemment. Monsieur Adley. Mais bon. Edgar Adley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo ? C'était mon ami. C'était la Vénus. Il me parlait d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante. Pauvre Milo. Il ne méritait pas de mourir ainsi. J'ai une autre chose entre Ghost de Rue et les corpos. Bah moi, j'avais juste vu qu'en tant que corpo, il y avait quelques quêtes qui étaient facilitées, ce que tu n'avais pas en Ghost de Rue. Parce que j'ai fait. Après, j'ai fait genre. Je sais pas, j'ai dû avoir 15-20 heures de jeu sur en tant que corpo et après tout le reste en tant que Ghost de Rue quand j'ai refait ma partie. Donc. Ok. Non, je pense que dans World Legacy, ça change que dalle. M'arrêtez pas. Tiens, je pense qu'il l'a bien mérité, moi. J'ai l'impression que Milo savait ce qu'il attendait et qu'il a risqué votre vie au même titre que la sienne. Non, non. Non, non. Milo n'aurait jamais fait ça. Oh, moi, j'ai fait toujours les réponses extrêmement désagréables. Trop sûr de lui. RP Serpentarde. Le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive. La fugitive ? C'est ainsi que Milo surnommait la Cromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée ? Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante. Comme l'a prouvé ce pauvre Milo. En même temps, je pense que c'est plus facile de retirer le venin d'une bestiole quand tu la tues, quoi. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Adley. Hors de question! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer. Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Trop tard, mec, t'en as déjà trop dit, en fait! Bon, où se trouve donc cette grotte d'acromantule? Oui, c'est vrai que ça, les réponses, je suis assez d'accord, par contre. Au moins, même sans parler du côté... Je me suis trompée. Du côté différence en fonction de ta maison, machin. Les réponses que tu donnes, même des réponses de peste et tout ça, tu ne vois jamais de réaction. Ou très très peu. C'est toujours extrêmement... extrêmement gentillet, même quand tu dis une réponse pas cool. Et ben, voilà, typiquement le classique. Ouais, en fait, genre, je sais pas, l'autre veut t'aider, tu dis non, mais en fait, j'ai pas besoin de toi, c'était facile. Et elle te dit, ah, t'as confiance en toi, c'est bien. Tu parles. En vrai, tu réponds pas ça comme ça. T'es là, ouais, bah, je voulais juste t'aider, pas obligé d'être comme ça. Je sais pas. Genre, c'est vraiment. Maintenant, dans tous les jeux, on dirait qu'on essaye de mettre cette possibilité de choix. Même dans Pokémon. Et c'est complètement fucké. Tu n'as jamais le choix, en fait.
ce que tu vas répondre n'influencera rien. Allez, si, il y aura une petite différence si, je donne un truc gentiment. Ah, je pensais. Si je donne un truc gentiment sans rien réclamer, ou si je réclame un truc quand le jeu m'en donne la possibilité, bon bah j'aurai une petite, j'aurai un petit quelque chose en faisant la réponse de la peste. Mais c'est pas, c'est franchement pas grand chose quoi. Et c'est vraiment pas tout le temps. Je trouve ça dommage. J'ai peut-être pas le sort. Ah si. Ah, j'ai eu un manche de baguette. J'en ai toujours pas mis. Elle est bien sans manche. J'aurais adoré que les baguettes aient un comportement différent, que ça joue sur les compétences. Ça va respecter l'univers. Ouais, ou que t'aies un coup spécial unique en fonction de ta baguette. Au moins ça, c'est peut-être plus simple à mettre en place. Ou une petite caractéristique, genre plus efficace sur tel mob, plus efficace sur tel mob. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'ils veulent tellement que tu aies un truc, comment dire, en fonction de ce que tu préfères. Tu vas avoir le patronus que tu veux, je pense. Enfin, tu peux avoir la baguette que tu veux, tu peux avoir la maison que tu veux. Mais du coup, ils veulent pas que tu aies l'impression de te sentir biaisé parce que tu appartiens à telle école. Ou à tel Oukta, tel patronus, je sais pas quoi. Sachant qu'il y a le côté un petit peu, bah c'est le jeu qui décide, même si tu peux toujours changer avant de valider. Parce que, bah mine de rien, en fait, quand tu proposes des différences de compétences, de trucs comme ça, bah il y aura toujours, enfin non, il y aura pas toujours, mais ça demande pas mal, ça demande beaucoup de recherche d'avoir un truc qui soit pas cheaté. Oh, le crapaud violet géant, trop marrant. D'avoir un truc qui soit pas surcheaté par rapport au reste. Ou un truc qui soit par contre, ou un type de compétence qui soit inutile par rapport aux autres. Et je pense qu'ils voulaient éviter ça. Mais du coup ils sont pas pris la tête, ils ont pas fait en sorte qu'une canne ait certaines capacités qu'une autre canne a pas. Machin. Rien en fonction de ta maison, tu puisses être spécialisé dans un truc ou non. Ouais. Bah typiquement ça aurait été marrant, vu qu'on est dans le côté... dans le côté en fonction de la maison. Ça aurait pu être intéressant que... Imaginons t'appartiens à Serpentard. T'as moyen d'avoir une compétence... voilà, de l'obtenir si t'as envie, une compétence magie noire que les autres écoles peuvent pas obtenir. Mettons tes griffons d'or, ce serait cœur par exemple, voilà. Et puis bah, j'imagine après furtivité, ce serait... Pouf-souf parce qu'ils sont censés être discrets et sort pour les serres d'aigle par exemple, ça aurait pu être sympa. Je pense que ça aurait été faisable sans que ça change trop l'expérience d'une école à l'autre au point qu'une personne se dise ah merde j'aurais trop dû prendre cette école, ça aurait été vachement mieux. Voilà, je... Ou une compétence dans ta baguette, ouais, ou ouais. Ouais, je suis d'accord. J'y suis d'accord. Mais bon. Ah, maintenant le jeu est sorti, on n'aura pas ça. C'est foutu. Il dit un bonus de dégâts. Un petit bonus, ouais. Est-ce que je vais dans la grotte fugitive ? Ou est-ce que je fais la quête principale? Regarde un petit peu. Un petit peu. Ah, c'est niveau 30, je vais pas le faire tout de suite. Je vais aller retourner voir Kogawa. J'aime bien là, je profite.
Merci Art. T'es gentil. Attention, c'est parti. Petit coup de baguette en balle, ça c'est pour montrer que j'arrive. Pour faire de la place. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Mais Poufsouf, ils ont vraiment la plus belle salle commune. Madame, moi je veux voir les captures d'écran des salles communes. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oui. En même temps, je maîtrisais déjà parfaitement. Professeur, je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Hein? Non, moi c'est Lox. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Love your soul. Merci beaucoup, Bloody Rapture. Merci pour ton 19e mois. Love your soul. Merci, c'est très gentil. J'espère que ça va. Merci beaucoup. Quel soutien. Merci. Celle que j'aime moins, c'est celle de Serpentard. Ah, moi j'aime trop. Mais j'ai pas vu les autres. Et du sous-marin quand même est top. Mais elle est trop délavée. Ouais. Ça par contre, je suis d'accord qu'elle est pas assez mise en valeur. Je pense que c'est différent chez les autres. Je suis ravie d'apprendre que vous allez rejoindre le corps professoral de Poudlard pour enseigner le vol. J'imagine que notre travail à Poudlard sera moins mouvementé. Notre séjour près du port de Yokohama. Mais qui sait après tout. J'ai hâte de vous revoir en attendant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un hibou et à m'envoyer des bisous. Mathilda, toi. Du coup c'est quoi? J'ai juste après un sort comme ça, on me dit même pas ce qu'il fait? Si, on m'a dit mais j'ai pas fait attention. Je peux ouvrir ça? Non, je peux pas. Voilà. Je les ennemis augmentant les dégâts qu'ils subissent lors des attaques suivantes. Ok. Je testerai. Retrouver l'endroit où tu vois dans le deuxième. L'endroit où tu vois quoi? Ça va vous, bah tranquillou? Regarde, j'ai mon balai. J'ai mon propre bien. Et toi, comment tu vas? Certains attaques, les jolis aussi, mais ils sont super bien placés. C'est plutôt l'environnement qui est joli. Même pour Gryffondor, la salle n'est pas extra... La salle n'est pas folle, ouais. Compensée par leur couleur. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que je suis d'accord que la salle de Serpentard, il n'y avait pas de raison de la mettre... de pas mettre du verre un peu plus pétant parce que bah c'est juste la lumière qui fait ça quoi. Je vais pas trop voir non plus au cas où. Ouais bah, je trouvais ça sympa si on avait comparé selon les gens qui jouent au jeu. Mais voilà. Le deuxième. Attends. Dans l'eau depuis la salle Serdaigle. Mais voir quoi? Mais ce que les Serdaigle, moi je sais même pas où ils sont. Hein. J'imagine qu'ils sont en hauteur. Mais j'ai aucune idée de où est leur salle commune. Hein. Le deuxième sort. Ah d'accord, je comprenais rien. Parce que tu parles de l'endroit et après tu dis le deuxième, alors je me suis dit, la deuxième fenêtre. Certains sont dans une des tours. C'est pas celle-là déjà.
Ah, c'est peut-être celle-là. Serpentard. Ah, d'accord, ok. Comment ça, je peux pas enlever mon monture? Bah pourquoi? Je suis au sol. Il y a une porte, c'est bien que je peux passer. Ouais, ça c'est débile, hein. Ouais, je suis en perdition. J'arrive même pas à tomber à pic. C'est pas possible. Le jeu, il veut pas qu'on se casse la gueule en bateau. En balai, c'est fort dommage. Ça, je le regrette, ça. Oula, petite chute de FPS bien comme il faut. Je suis toujours live, oui, ça va. Ok. Parce que j'ai toujours mon live ouvert à côté, mais je peux le fermer si ça aide un petit peu. En général, ça aide un peu. Ah, c'est leur entrée au Serdaigle, d'accord. Ouh, oh, mais la salle commune. Enfin, la salle de banquet. Le plafond de la grande salle. Le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. Ouais, ce qui fait que quand il fait moche dehors, il fait aussi moche dedans. Ah, salut petite clé. Je me rends compte que c'est la première fois que je viens ici. Bon, bah tant pis, je vais trouver ça plus tard. En tout cas, là on fait ça. Oh, mais il y a aussi un papillon. Oh, mais il y a trop de trucs ici. Pupitre du hibou. Sur ce pupitre enchanté que les grands directeurs et directrices de Poudlard, tels que le professeur Black, s'adressent aux élèves. Tout à fait, tout à fait. Okidoki. Par contre, je vois rien, attendez. Ok. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est bien ça, c'est bien 9 celui-là. Ok. 21, 22, 23, 24, c'est l'araignée. Ensuite, un 11 plus 0, ça fait 11, donc c'est 3. C'est les trucs. Donc là, je devine tout seul, je crois que la dernière porte que j'ai trouvée, il y avait des explications. Ouais, on a vu aussi ces explications, mais on en avait compris avant, ouais. Loyale et chaleureuse. Bah, c'est bien Serpentard, ça. Ah ouais, télescope! Ça va être beau. Écoutez-moi! On vous ment! Je peux pas faire chier les élèves pendant qu'ils bouffent, ça t'écoute. Réveillez-vous! Bonjour, petit machin. Bon, maintenant, il va falloir que je trouve d'où tu viens. Est-ce qu'on peut passer les portes avec ces petits machins? Je crois pas. Ce guide du sorcier est bien pratique. Mais oui. Ah tiens. Oh, c'est un peu loin, je pense. Je pense que c'est un peu loin. Bah c'est pas grave, je retrouverai d'où tu viens. Je peux passer les portes avec. Mais ça non plus, je connais pas. Ah non. Mais ces fleurs sont un peu moches. Je m'en vais. Je peux passer les portes, mais au bout d'un moment, il dit non, on est trop loin. Ah bah tiens, il est là. Toi.
Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je crois que vous êtes en mesure d'apprendre Arresto Momentum, le sortilège de ralentissement. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches, puis venez me voir. Nina. Lumos. Non mais t'inquiète, je trouve hein, les trucs, faut pas me dire. Pareil, je tourne la maison, ils sont au même endroit. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que les armoires, on voit bien qu'elles sont incorporées dans le décor. Donc ça m'étonne pas trop. Salut Silence. Je savais pas. De quoi tu savais pas? Ah mais oui, la salle commune est là. Ok. Bon. Voilà, la salle commune, la grande salle. Et à quoi de, à côté après? Ah bah on est bon. Ça fait plus ging. La prof, je t'ai mal indiqué. Je sais pas, tu me dis que t'es plus avancé que moi, alors forcément, j'ai pas trop envie qu'on me dise non, non, en fait, c'est là, va là-bas, fais ça. C'est pas trop le putain. Ok. Et dehors, du coup, c'est chelou. Dehors, il y a des fleurs blanches très bizarres. On dirait un petit peu comme des fleurs blanches très bizarres. J'aime pas bien, moi. Mais c'est mignon ici. Une vidéo de présentation de cette commune. Ok, je regarderai. Devoir 2 de Madame Coca Bubil. Obtenir un tien, une tentacula vénéneuse. Obtenir un tien, mandrago. Il faudrait que j'y pense à faire ça. On va faire l'épreuve de la tour. Moi j'ai une vidéo de bébé chat. Ouais ouais. Bon, ça se trouve ça aussi j'avoue. Non, c'est trop loin. On va y aller. Ça va nous faire explorer un peu. Ouais c'est loin dis donc. Cool. Ah bah là j'ai un truc en plus à faire ici. Ah mais non, c'est le tombeau, donc je vais être en souterrain. Ça va être chiant. J'ai mis couleur vert et gris à serpentaire au lieu de leur couleur vert normal. Bah, je savais pas si c'est vert et gris leur couleur, je savais pas. Parce que c'est vrai que pour moi c'est plus vert et même noir, parce qu'on voit tout le temps dans les films les serpentards en noir. Donc ouais, c'est un peu dommage, effectivement. Il y avait moyen de faire ça de manière bien plus stylax. Ok, let's go. D'accord. Je suis bien trompée. Ça dégoûte, je suis ridicule. Voilà. Là, c'est mieux. Il faudrait que je vois la quête des papillons aussi, mais bon. Qu'est-ce que c'est ? Arrête-toi, je vais trop vite. On entend des grenouilles. Humain, grenouille.
Un balai amphibie ? Pas trop. C'est un balai amphibie ce qu'on peut. Arrête. Voilà. Y'a quoi ici ? C'est des méchants ? Oui, c'est des méchants. Let's go. Attention, petit cerf, y'a des méchants. Bim. Je sais très bien. Tu as libéré. Ne perds pas. Mince, je me suis trompée. Non, j'arrive plus à faire les sorts. Voilà. Faut j'attends un peu. Je me fais éclater. Oh, j'ai trop de gens d'un coup. Ah, oh, j'ai trop de gens d'un coup. Attendez, faut que j'aille petit à petit là. J'étais dans la masse. Je sais pas quand c'était les derniers points de contrôle. J'espère que c'était avant. Les papillons, t'as pas fini par tomber dessus. Oh bah je suis pas retournée dans la forêt en fait. Non, je voulais ramasser ça. Allez. Petit Lumos là. Allez. Ah, jamais ça arrive. Mais c'est pas ça que je vis, c'était ça. Ça m'énerve. Oh merde. C'est lui que je veux viser. Non, vise, mais vise le même. Oh, ça rend ouf. Elle arrête de... What the fuck. Elle arrête de viser... En fait, je sais pas. C'est très chiant. Tu vises quelqu'un, il y a un... Tu vises un sorcier, il y en a un qui arrive en avant-plan un peu proche, elle va forcément le viser lui, même si t'as visé et ton objectif et tout est sur l'autre. Ce qui fait que si il reste plus qu'un pouillème de PV à enlever à l'autre, comme là, moi, il y a une seconde, et ben non, elle visera celui qui avance vers elle. Alors que c'est pas opti... Ça n'a pas marché, c'est génial.
Je ferme. Il avait pas de sensibilité, lui. C'est fou, ça. Que je n'ai personne à... Ah, j'aurais dû le tuer comme ça. Je croyais que c'était quelqu'un qui était en hauteur. C'est moi. Temps difficile, ouais. Tout à fait, tout à fait. Regarde les fleurs. Quoi, les fleurs? Pas de fleurs ici. Ah non, c'est pas pour moi peut-être. Hop là, petite binouze. Petite hydromel. Mais je peux pas libérer les bestioles et tout qui braconnent. Ces braconnards. Collection Liaison 3. Liaison 3. Qui c'est? Réveillio. Ah, c'est carrément quand tu es la petite dans The Walking Dead. D'accord, mais dans le contexte en fait. J'ai pas compris. Puis il n'y a plus personne qui regarde The Walking Dead, désolé hein. C'est une ref saut 2010. Bon, j'avoue que même si j'ai vu la scène, je m'en rappelle zéro. J'avoue. Papillon, ils aiment les fleurs. Mais papillon magique, tous les coups, ils sont carnivores, tu sais. Mais non, pas d'histoire de fleurs avec ces papillons-là. Hop là! Ouais, c'est de la forêt interdite, je vais trop vite, ça m'énerve. On y va. Oh la flemme, hein. Oh, oh les arbres et tout, mais c'est sympa ici hein. Et c'est ça. Défi débloqué, plateforme d'atterrissage. Oh, ça fait quoi du coup, ça va faire clic. Mais je suis trompée. Quelle est cette bourgade ici? Je connais? Je sais pas. Je me demande qui y vit. Ah, c'est ça que je voulais. Voilà une agréable surprise. Let's go. Ce gain de temps, le balai quand même, c'est assez ouf, ouais. Même si j'essaie après de faire une partie du chemin à pied pour looter notamment des trucs et pour... et puis pour voir si j'ai rien manqué, machin. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Atterrir sur plusieurs. Hein, on fera ça plus tard. Déjà moi les épreuves de Merlin, maintenant que je sais que ça peut me libérer des... me donner des emplacements. J'ai fait un peu de poker à arriver
avec 100 et reparti avec 1,43. Oh mais vas-y, tryhard, après il aura plein de cosmétiques et tout. Puis en plus, il y a des trucs qui peuvent te donner des bonus, je crois, j'ai cru voir. Peut-être mal compris, mais c'était chelou. Attention, je tombe. Il y a des coffres. Oui. Bientôt avoir plus de place, mais il y a un vendeur juste à côté, alors c'est pas grave. Mais je veux pas trop visiter aussi parce qu'il y a des endroits où ils sont peut-être pas forcément très intéressants, où je vais pas forcément trop retourner, mais où il y a plein de cadenas. Et du coup, je veux quand même y retourner, mais du coup, c'est compliqué. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous un moment? Indira. Oui, ouais, pas Indira. Longtemps, malheureusement, la boutique me prend tout mon temps. Je suis la nouvelle propriétaire, Indira Wolf. Les rumeurs, tiens. Y a-t-il des rumeurs intéressantes qui circulent en ville? Il y a un fangu incontrôlable en liberté. Il est plus agressif que les autres et porte des marques étranges. Les maudits. Il nous rend la vie impossible à Peter Punford. Peter Punford. Que quelqu'un s'en occupe. Peter Punford. Bizarre parce que Préolar, c'est traduit. Poudlard aussi, mais Peter Punford, c'est pas traduit. Qu'avez-vous à vendre? De quoi avez-vous besoin? Bah après, les règles du poker sont simples, Sam. Hésite pas à regarder vite fait si tu vas en faire demain avec nous, hein. C'est ce dont j'avais besoin. Merci. Ok. Thank you. Merci de votre visite. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Tac. Et tac. Demain, normalement, sauf gros soucis, il sera là. Ah, cool. Bah, bon courage pour ta journée, en tout cas, avec ton petit show ramené au cardiologue, tout ça, tout ça. Ah, j'aime bien la coupe. Je déteste particulièrement les manches qui sont absolument hideuses. Mais la coupe est sympa et le tissu, il a l'air tout fin. Il est stylax, mais dommage. Et ça, c'est quoi, fais voir. Ça, j'aime pas. C'est un modèle un peu... C'est complètement un modèle de... comment on pourrait appeler ça? De robe de chambre. Ça, c'est sympa, mais c'est rouge. Hein. Serpentarde. Hein. Oh non, on va attendre d'avoir vraiment des éléments de tenue intéressants pour changer. Parce que là, on a un bon look. Gardons ce bon look. Je vais vendre d'autres Miss trucs. Rebonjour. Que puis-je faire pour... Qu'avez-vous avant? Ce que tu peux faire pour moi, m'aller droit au but. De quoi avez-vous besoin? C'est quoi tout ça? C'est que des plumes. De crapaud, ok. J'espère qu'on pourra avoir des... un moyen d'obtenir des compos, d'autres compos. Je me dis aussi, niveau compos, pour le moment, j'en ai pas beaucoup des traits diversifiés. Genre, je ramasse que quelques trucs et c'est tout, et sinon... Oh non, c'est tout, en fait. Attention! Tac! Et voilà, t'es trop deg! Je pense que le PNJ, il aurait dû être de l'autre... il aurait dû être ici. J'aimerais bien pouvoir vendre aussi des compos parce que j'ai pas l'impression que ce soit possible et parfois bah, tu peux en avoir vraiment beaucoup et ça peut être un moyen d'avoir des sous quoi. Signal d'araignée, manifestement une infestation d'araignée rend la zone particulièrement dangereuse. On peut se demander combien de régions utilisent ce genre d'avertissement. Pas beaucoup, non j'en sais rien. Ah oui, des petites araignées. Oh c'est trop mignon. Des petits bébous. Non, je voulais faire l'autre. Ah, mais elle me tue. Putain, j'avais pas vu ma vie. Je me disais, mais mon corps, il bat vite.
Ouais, des trucs genre sur 3000, je sais pas à quoi ça sert. Mais oui, c'est ça. Dans tous les jeux, franchement, dans tous les jeux comme ça où tu peux vendre de manière libre et tout, et où t'as des compos, tu peux vendre tes compos. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien aussi, mais je trouve que ça fait robe de chambre. Moi, je trouve vraiment. Ça fait pas vrai. Je sais pas. J'aime pas trop. Ah ouais, faudrait que je mette plutôt... Attends. Faudrait que je mette plutôt... Attends ! Voilà. C'est ça aussi mon truc que j'utilise quand je me bats. Ça, c'est mon spécial, je me bats. Je fais rien du tout. Elle est trop forte. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui. Gros d'araignan. Ah ouais. C'est juste ça. On fait comme ça. Il y a des frangieux. Les frangieux, c'est des sacs à PV, c'est chiant. Quoi ? Qui c'est qui crie ? Ah oui, c'est un Kekram. Infliger des dégâts à un ennemi gelé. Ah ouais, faut que je mette le sort de gel. Je vais me le mettre sur cette barre là. Je vais me le mettre sur cette barre là. Oh, c'est pas là. C'est comment déjà? C'est comme ça. Genre à la place de Levius Tourou. Ou de Contringo. Ouais, plutôt. C'est pas Contringo, je sais plus ce que c'est. Ok, je vais faire ça. Je vais faire mes exploits de duel. Ah mince, c'est Fangieux. Bon bah tant pis. Je n'ai rien fait. Voilà, ça me fait des petits exploits de duel. C'est bien. Ouais, ça monte presque trop vite les levels, Sam, je trouve. Et les mobs, je crois qu'ils respawnent, effectivement. Tenue, je les trouve vraiment pas dingue. Bah en fait, je trouve que, effectivement, ça va pas assez, assez dans le style Harry Potter, notamment victorien, parce que là, on est complètement dans l'époque. Qu'on pourrait le penser, alors que c'est vraiment... C'est complètement le genre d'univers où tu peux avoir des tenues très extravagantes, très what the fuck. Surtout moi, c'est les accessoires aussi que je trouve un peu... Genre les écharpes, les lunettes, les masques, je les trouve pas... Ça fait partie des trucs qui pourraient être le plus originaux et tout. Et en fait, il y en a quelques trucs un peu originaux, mais sont souvent plus moches qu'originaux. On dirait et que effectivement, à part ça, il y en a des sympas, mais c'est... C'est pas fou. Je suis d'accord. Je le ferai aujourd'hui, tout à fait. Moi, je le ferai tout le temps, moi. Ouais, des trucs effectivement qui collent pas des masses. Je suis d'accord. Réveillon. Bonjour, je viens de vous piquer de l'argent. Et je sais que bon, je compare pas mal à Fable, c'est sûrement à tort, mais ça aurait été marrant aussi que les gens te laissent pas rentrer si facilement chez eux. Genre, je me rappelle dans Fable, quand tu n'es pas, quand t'es pas aimé par le PNJ, ou que t'as pas fait de certains trucs ou je ne sais pas quoi, et ben les gens quand t'es chez eux, ils te disent fichez le camp, et ils t'attaquent si tu fiches pas le camp. Ou il y a la garde, quand c'est en ville, la garde qui t'attaque. C'était comme ça dans Fable 2 et 3, il me semble. Deux, en tout cas, c'est sûr. Et là, bon, ils te disent même pas une phrase, en fait, qui faisait pas de vraie réaction, ok, mais qui te disent même pas en mode « Que faites-vous chez moi ? Vous me laissez ? Qu'est-ce que vous faites ?» Machin, je sais pas. Ou un truc en te voyant « Tiens, un jeune de Poudlard, qu'est-ce que vous faites par ici ?» Non, les PNJ, beaucoup, quand t'es dans leur maison, ils te disent rien. Enfin, ce que tu supposes être leur maison, parce qu'en fait, c'est juste des PNJ random dans des maisons random. Mais ça se voit. C'est pas très...
Mais les Benji, bon, c'est pas le truc le plus réussi. Oh, mais c'est sous le pont qu'il y a du monde. Oh, mais j'ai un peu la flemme de descendre. Je vais appuyer volontairement pour voir s'il y a des trucs à looter. Puis on va faire la quête. La quête principale, on est pas trop loin là, si ? Non, ça va. Il y a un poisson. Qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme ? Je vais essayer de te repousser. Attention, attends. Je vais essayer de te remettre dans l'eau. Voilà. Attends, c'est pas fini. Attends. Hop, on va le remettre dans l'eau. Pas trop de choix, hein. Je peux pas utiliser mes mains en tant que sorcière. Oh non, ça marche plus. Non, ça marche plus. Ah si, c'est bon. Hop, vite. Vite. Non, putain. Allez, le poisson. Pourquoi ça dévie ? Faut que je le visse de manière très précise. Hop. On y est presque. Attention. Je vais de l'autre côté et je vais faire Axio et là il va retourner dans l'eau. Il est vivant. Ah, il bouge. On a réussi, on a sauvé un poisson. Bon, une fois, les persos féminins sont pas ultra sexualisés. Oui, on n'a pas été à moitié à poil. Bon, pour le coup, ça collerait pas à l'univers, j'ai l'impression. Ce serait vraiment... Mais effectivement... C'est vrai. On n'a pas des tenues faites pour les femmes ou juste tu n'as pas de tissu à part des caches-tétons. Après, ils sont immortels, t'inquiète pas. Bah, je voulais pas risquer parce que je pouvais le pousser, mais je voulais pas. Mon repas, bordel, Lox. Mais non ! Enfin, un repas, c'est un poisson et je pense que c'est un saumon. Voilà. Et là, il y a un feu de cheminette. Et là, il y a une nominette. Oh. J'adore. Il n'y a toujours rien ni personne. Ah. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Merci, bah au revoir du coup. Ouais, j'ai même pas eu un... J'avoue avoir un défi réussi parce que j'ai sauvé un poisson. Mais en fait, c'est pas prévu par le jeu. Je pense que c'est à cause d'un bug qu'il était là. Pas parce qu'il a sauté. Parce que bah, tout ce qui est bestiole apparaît que quand on arrive dans la zone. Et je pense que, comme souvent, quand ils font apparaître, ça vient du ciel, genre. Et là, bah, c'est venu de haut. C'est... Ah mince, regardez pas. Oh, mais flemme. Franchement, je passe ma vie à attaquer des araignées. Atteindre un autre ennemi avec une explosion d'araignée. Ça va pas être simple, ça. Non, trop proche. Merde. Elle est où l'autre? Mais je galère. Attends, j'essaie de faire mon défi.
Me dit-on, c'est pas vrai. Bon. Ça aurait fait avec les points. Les points des différentes maisons, ouais, ce que je me disais, ça me paraissait assez inutile, malheureusement, dans cet opus. Peut-être que s'ils font un vrai DLC tout quidditch, là, il y aura un peu plus d'intérêt, j'en sais rien. En tout cas, c'est parti pour une quête principale. Par ici. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrock, peut-être plus. Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour ? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. C'est pas fou. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. Ah, c'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Oh la classe, elle est trop classe quand même. Hein. Y a rien ici. Elle est trop ce là. Moi ça va. Bon écoute, bien. Faisons vite. J'ai eu des bugs au début du stream, au début de la soirée. Là ça va mieux. On n'en a pas eu d'autres soucis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est écrit que je suis en live que depuis 3h30 alors qu'en vrai j'avais peut-être une heure, deux heures de live avant. Et un petit crash. Oh, une heure. Je ne pas beaucoup plus d'une heure en vrai. Et là ça m'est pas de nouveau arrivé. Alors j'avoue que je suis positivement ravie. Atteindre un ennemi sans être détecté vous permet de lancer Petrificus Totalus. Cela immobilisera de manière permanente un ennemi plus faible ou infligera des dégâts considérables à un ennemi plus fort. Ok. Ouh, pardon. Attends, je suis pas... Attends, monsieur personnes âgées, je suis pas prête. Comme ça, c'est pour ma truc. Je mets où Petrificus? Oui, je suis même. Je vais mettre là-dessous. Mettre là. Ok. Tac. Tac. Mais j'ai pas Petrificus. C'est qu'en fait, c'est un truc qui va mettre. Ah, il faut que je mette du coup invisibilité ici. Ok. C'est que ça va me proposer... Mince, excusez-moi, je galère avec les touches. Ça va me proposer une interaction, alors. Invisibilité. Protego. Je vais rêver. Pour moi, je vais rêver. Tu vas encore faire 3 heures de plus, là? Je sais pas. En vrai, je me suis levé tard. Restez. Même si là, j'ai un petit coup de barre. Je sais pas. Petrificus Totalus. Attends, est-ce que c'est ça Petrificus? Non, c'est Glacius. On n'a pas Petrificus, je suis pas folle. Hein. On n'a pas. Ouais, voilà. Ok, c'était bien ça. C'était bien ça! Vas-y, je pense pas qu'elle est. Arrête les mecs. Ah non mais Hertz, ce qui veut dire c'est que les personnages féminins ne sont pas sexualisés dans le jeu. Ça veut pas dire qu'ils sont moches ou qu'ils sont pas attirants ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'il y a pas de quoi de quoi être excité toi en tant que joueur. Il y aura toujours plein de trucs qui pourront exciter les joueurs de toute façon. À partir du moment où il y a des vagins et même pas que. Ce qui veut simplement dire c'est que pour une fois, enfin ce qui est assez rare finalement, ce qui est toujours rare même à notre époque, c'est que les personnages féminins n'ont pas des tenues où on va voir full cul, full sein, très moulant, machin. Ça change, c'est juste ça qu'il veut dire. Mais ça veut pas dire que tu peux toujours avoir un esprit chelou
selon ce que tu vois, ou que tu seras pas excité en voyant certaines tenues. C'est ça, c'est après très personnel selon les gens. Il doit y avoir mais au moins, au moins, c'est pas, pas plus sexualisé que les hommes, quoi. Ce qui change. Mais j'avais dans les sorts en bas à gauche, c'est vrai ? Ah, c'est ça, c'est dans ces trucs-là ! Ok, merci beaucoup, Bloody. Petrificus, ok, il me manque quoi ? Allo, Mora ! Ah oui, je la veux, Allo, Mora ! Vraiment la poisse parce que demain, je suis censée aller voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Sauf que pile la veille, j'ai une douleur soudaine au niveau des hanches, comme des courbatures, et ça veut... Ça veut pas partir, plus tête qui tourne. Ah. Ça peut pas être après des vraies courbatures ? Genre t'as dormi de manière chelou ? Mais oui, c'est possible. Hop. Du coup, je peux te faire du Petrificus Totalus. Genre si je me mets là-bas... Enquêter sur la présence de gobelins. Mais comment j'enquête en fait? Là je ne vois aucune interaction à part tuer. Ce qui semble être une enquête un petit peu agressive. Hein. Parce que moi j'aimerais bien les tuer mais ça va me faire les... ça va me faire pex de fou. C'est rigolo ça quand même. C'est rigolo de le voir tomber comme ça le petit gobelin. Ouais, ça me fait pex. Ouais, ça me fait pex quand même. C'est marrant. Et ça les tue pas, mais ils disparaissent quand même dans le néant. Hein. Juste avant d'aller manger ce soir, c'est arrivé direct, donc je pense pas. Ah mince. Ah, je meurs. Ah, j'ai eu exactement comme toi. Quand je devais aller pour Halloween voir ma famille et mes potes à Paris. En plus, pour une fois, mes potes, du coup, pour l'occasion, ils ont décidé d'organiser une soirée déguisée, ce qu'ils font jamais d'habitude. Pour Halloween, moi, j'aime trop les soirées déguisées. J'aime trop les soirées déguisées de manière générale, mais Halloween, c'est l'occasion parfaite. On avait prévu des trucs avec ma famille et tout, plein de trucs. Enfin, voilà, c'est tout un programme. Et deux jours avant, je commence à avoir fièvre, tout, mal au dos, courbature, donc. Et d'ailleurs j'avais peur que mon mal de dos soit dû à autre chose, genre à une douleur au niveau des poumons et tout ça, j'avais un petit peu peur de ça, mais finalement quand je suis allée chez le médecin il m'a dit non c'est les courbatures dues à la fièvre, donc ça va. Mais bah voyage annulé, j'étais dégoûtée. J'avais pris un jour, puisque c'était au mois d'octobre, j'étais encore en contrat avec l'animal rouge boss. Et tout ça. Finissons-en. Ah, tu es là. Allez, soyons discrets de nouveau. À rester assis toute la journée, même si ça risque d'être un peu ennuyeux. C'est que t'es plus que tout seul, mec. Je sais pas s'il le sait. J'aurais pu conserver ça, quand même. Ok. C'est bon, on peut enquêter. On est tranquille. Hein. Alors. Comment qu'on enquête, dis donc. Ok, faudrait que j'aille là-bas, mais je veux quand même fouiller le camp. Quand même. D'ailleurs, j'ai remarqué, là j'y pense, quand on va dans Poudlard, qu'on va dans le petit truc qui sert d'écurie, bon tout petit, hein, avec des sortes de box, et ben quand tu fais ça, tu vois les sombrales qui n'apparaissent pas si tu le fais pas. Voilà, je trouvais ça mignon. Oh, petite popo, ça c'est bien, faut que je m'en refasse. Ah, enquête. Des ordres. Oui, la tour et ses environs, cherchez tout ce qui a trait au don. Vos découvertes... Ah non, c'est Ranrock, donc vos découvertes ici permettront peut-être aux gobelins, enfin, d'assumer la place qu'ils méritent en ce monde. Ah mais si, Ranrock, c'est le gobelin. Mais oui, tout à fait. C'est quoi discret? Bah écoute, comme je dis, quand il n'y a plus de témoins, on peut pas te voir, donc t'es discret. C'est une grave erreur. Attends, je suis pas prête, je regardais le chat, j'étais pas prête. Attends.
Voilà. Bien avant votre naissance. Attends, attends, j'ai pas le temps. Mais putain. Putain, j'ai pas le temps. Oh, j'ai plus de popo. Je suis dans la sauce. Petrificus Tetalus. Bah c'est ouais, moi effectivement c'est la première fois que je fais cette quête. Faire tout le jeu comme ça, oui, c'est plus marrant. Je vais te faire souffrir. Ok, sur la non-présence. Bah écoute, effectivement, s'ils sont plus là, ils sont pas menaçants. Attends! Attends. Attends, je voilà, je vois rien, merci. Merde! Non, fils lui. T'en tireras pas comme ça. Quand vas-tu abandonner? Je vais venger ta mort. Tu as fini, ça y est. Merde. Attends! Pas fini. Ça va mieux. Par contre, mes popos, elles partent vite, hein. Faut que j'en fasse plein. Mais bon, comme quoi, vaut mieux tout nettoyer avant, parce que si ça commence à arriver sur ta gueule pendant que... Alors que t'as pas fait les gobelins avant, alors soit ils disparaissent peut-être pour que ce soit plus simple, soit bah t'as tout le camp sur ta tronche. Donc en fait, c'est mieux de faire le jeu... Enfin, c'est mieux de pas être spécialement très discret et de tuer tout le monde. Ou de pétrifier tout le monde au moins. Même si du coup, vu qu'ils disparaissent, je pense qu'ils sont un peu morts. Oh, une popo ! Je ne pense pas que les gobelins soient au courant des épreuves. Mais ils se doutent que cet endroit a son importance. Comment ont-ils bien pu découvrir cet endroit ? Réveillon. Il est en hauteur, on voit des ruines de loin. Oh, quoi, c'est pas... À l'endroit le plus discret au monde, non? Ah, des trucs un peu qui sautent. Nous avons trouvé l'entrée, apparemment. Semblerait. C'est verrouillé. Oh, je peux pas tirer mon balai, j'aurais bien aimé voir là-haut. Au-dessus, là, de la petite muraille, là-haut, ce qu'il y avait. Un sortilège de déverrouillage? Oh oui! C'est très pratique. Oh, je l'ai enfin! Pas le moment. Mais si on ne vous l'enseigne pas. La caméra de visée est chiante, ouais. C'est à la Elden. Mais en plus chiant, déjà que sur Elden, elle est pas ouf. Mais là, en fait, ce qui est encore plus chiant et moins bien foutu, c'est que parfois, le perso que tu regardes et que tu vises ne va pas être celui qui est touché quand même. C'est très bizarre. Voilà quelqu'un qui aime lire. Beaucoup de ses ouvrages me sont inconnus. Oui, parce que bon, tu les connais tous d'habitude, c'est ça? Tu quoi? Je m'énerve, moi. Je me demande qui c'est. Avec cette tenue, ce pourrait être n'importe qui. Réveillon. À part Gandalf. Ou alors c'est Merlin, c'est quel délire sur Merlin et tout, là. Avec ses énigmes, moi. Je visite, hein. Ces balais ont dû être enchantés il y a plusieurs siècles. Ouais, et je viens je de... Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. Bienvenue dans la tour de Sanbaka. Ah, bonjour, vous. Bah alors, on se s'ennuie un peu, hein. Professeur. La tour de Sanbaka? Oui, le professeur Bakar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte,
vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Normal, je suis en difficile. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne, semblable à ceux que vous avez déjà vus, a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, n'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. On sort qu'il y a plusieurs personnes, peut-être. Alors oui, il y a ça aussi. Mais en fait, je vois clairement parfois que je fais un petit sort à la con et il atteint le mob qui était qui est à côté, celui que je vise pourtant. Et ça, j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi parfois. Je me demande si c'est pas à cause de l'orientation de caméra où il te dit ok, c'est celui que tu vises, mais en vrai, c'est celui que tu veux utiliser. Je sais pas. Fallait qu'il balaye tout seul, je veux le même. Ouais, mais est-ce qu'il balaye en mode vraiment, il fait un vrai tas et tout, ou est-ce qu'il balaye en mode dessin animé où il fait. Que ça, tu vois, ça, du coup, ça s'appelle soulever de la poussière. Oui, j'arrive, le jeu, j'arrive. Pas d'option visée auto qui foutrait la merde. Ouais, je pense que c'est parce que si je suis à la manette et que du coup, il y a une petite visée auto à la manette. Effectivement, je pense que c'est lié à ça. Mais bon, j'ai un peu la flemme, même si c'est sûrement mieux. Je devrais regarder ça de plus près. Pour certains trucs, je trouve que c'est plus sympa à la manette. Pour d'autres, je trouve que c'est mieux clavier souris, mais j'ai un peu la flemme de changer de périphérique tout le temps. Et comme ça, je peux garder les mains au chaud sous mon plaid. Mais je pense que c'est pas déconnant de faire le jeu clavier souris. Je pense que c'est pas déconnant du tout. Être littéralement entre les jambes des ennemis. Quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est complètement comme Elden Ring où déjà t'as aussi une visée qui bouge en fonction, tu sais, de. Genre tu vas viser. Si tu utilises ton joystick pour aller gauche à droite, et ben ça va viser quelqu'un d'autre. Sauf que déjà ça, je trouve que ça répond pas super. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Parce qu'il répond qu'au coup sec, mais vu que bah ouais, t'es ton joystick qui permet d'orienter aussi ton déplacement ou ta caméra, bon bah voilà, c'est un peu chiant. Des fois tu regardes juste à gauche, mais tu veux viser la même personne et en fait ça vise celui qui est à gauche. Et puis il y a le problème aussi ouais, de quand t'es proche ou pas du mob, ça fout le bordel aussi. J'ai l'impression. Du coup, il y a plein de quoi. C'est quoi sur les côtés? Il y a juste des décos? Ok. C'est joli, hein? C'est sympa, hein? Mais c'est mal placé aussi. De quoi? J'ai dit quoi? J'ai fait une blague chelou? C'est pas fait exprès dans ce cas-là, hein? De toute façon, c'est souvent sous les mobs. Mais moi, ils se retrouvent pas sous les mobs. C'est pour ça que je comprends. En fait, c'est pas. Non, c'est pas mal placé. C'est que vraiment, je comprends pas. Moi, le problème, c'est pas qu'ils se retrouvent sous les mobs. Mon perso se retrouve jamais sous les mobs. Le problème, c'est qu'ils visent souvent. Genre un mec qui est derrière, ou à gauche, ou à droite. Et que bah, du coup, je passe mon temps à courir, à rouler. Pour essayer de bien me placer ma caméra. Mais non, j'ai pas vu. J'ai pas vu mon perso en dessous les mobs, perso. C'est vrai que ça m'a surprise. J'imagine que je dois chercher des. Entre les jambes, je me suis dit quoi? Bah oui, parce que je comprends pas comment, surtout avec des gobelins. En fait, pour moi, ça voudrait dire, vu qu'on peut pas se baisser, en fait, dans le jeu, se retrouver sous un mob, oui, c'est chelou, en fait. Pour moi, c'est ça s'appelle un glitch, en fait. Parce que c'est impossible de s'accroupir.
Il n'y a pas un remplacement auto de la cam. Non. Alors, non, je ne l'ai pas. Sauf quand je fais ça. Voilà, ça replace un peu. Mais parfois, alors parfois, c'est, voilà, les remplacements auto, je préfère éviter de les mettre la plupart du temps. Parce que notamment en balai et tout ça, quand tu vas vite, c'est chiant. Ben voilà. Bien incrusté avec la cam qui suit mal. Avec la cam qui suit mal, ouais. Mais bon, faut admettre que ton image correspond pas vraiment à la réalité que j'ai vue. Du coup, pas la peine de le prendre comme un truc pervers si juste je suis surprise. Hein. On peut être surprise des phrases. Tout va bien. Sous un meuble Ikea. Un meuble Ikea. Oh, c'est beau ça. Je pense. La salle des loots. Non, mais ça me plaît. Popo, ça me prépare. Il y a de la popo, je vais devoir combattre. Ah. Oh non, c'est bon. Il est ok. C'est classe. C'est inutilement stylé, mais c'est stylé quand même. Terminer l'épreuve. Mais c'est déjà que je suis capable, alors pourquoi me mettre à l'épreuve? Une épreuve, c'est pour savoir si t'es capable. Mais quand tu sais déjà que t'es capable. Hein? Des coffres. Rébellion. Lui, je vais devoir l'affronter, lui. Il y a un poisson derrière. Je pète un câble. Mais je suis vraiment sûre d'avoir vu un truc derrière. Attention. Mince. Le suivi, c'est quoi l'épreuve? Rébellion. Ah, c'est là. J'imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Oui. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Bon. Ok. Alors, je sais plus comment... Je sais pas comment les sonner, j'ai oublié eux. Ça va pas compter, ça a attrapé, renvoyé l'ennemi, l'arme d'un ennemi. Ah c'est ça! Ok ok, je vais essayer de le faire. Ah c'est pas un stupéfix, c'est quand il me l'envoie. Putain je me suis trompé! Je vais attendre. Putain, allez! Pas du tout marché. Mais c'est pas ça, c'est peut-être... C'est grâce à... Je sais plus grâce à quel sort. Je sais plus grâce à quel sort je peux renvoyer, il me semblait que c'était grâce à machin là. Mais c'est pas grâce à machin. J'ai trompé. J'entends du bruit, ça veut dire que c'est bon. Cette salle est stylée. Je l'ai déjà dit mais je trouve ça beau. Rébellion. Incendio. Peut-être que je peux le faire avec des sorts. Confringo. Bon pas du tout, pas du tout. Ah mais j'ai Confringo, mais Confringo c'est pas... C'est de la cramage. C'est du cramage. Je ne sais plus. J'ai comme un mec déjà vu. Action.
T'en penses? Il y a des murmures tout le temps dans ce jeu. Tout le temps. Bon bah, je pensais qu'il y avait une cinématique. Très bonne nuit, Fernando, des bisous. À demain pour le poker. Ciao. Une femme de tartane. Tartane gilet. C'est tout? Je suis en tête d'uniforme. Genre, la magie ancienne me permet de trouver un coffre avec un uniforme. C'est pas incre comme, comme truc. Je m'attendais un peu à mieux. J'avoue. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que cette rafale de magie a bien pu faire? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. J'aimerais que je devrais peut-être descendre en vrai. La thune, merci. J'ai tous les coffres là. La pièce. Oh, d'autres statues. Go. Passons follow 10 minutes. Non, ça va. Moi, je pense que ça va le faire. Mais c'est gentil. J'ai peur. Ne me facilite pas la tâche. Mais j'arrive pas à faire le coup de reprendre l'arme et le renvoyer, je ne rêve pas. Je me disais j'avais pas besoin de ça. Bah si, j'ai besoin en fait. Non, arrête, t'excite pas, tout va bien. Il y a un coffre là-bas. Il y a la peau. Mais descends, ils ont care. Moi confiance. Ah oui, non, mais non. Ok. Mais par contre, si je vais là. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Oui. Je regardais juste.
Ouais, le jeu est pas très dur. Je pense que c'est bien de le faire en hard. Bah... ça va. Franchement, ça va. C'est ok, tiens. Après, ils sont scalés sur notre niveau, en fait. Je savais pas. Mais oui, ils sont scalés sur notre niveau. Cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche. C'est sûrement différent désormais. Bah oui, c'est différent. Tu vois bien qu'il manque des trucs, là. Enfin... enfin, petit hot. Oui. Ce que ça change, c'est qu'ici, il y a... normalement, il y a... Il y a pas tout qui est pété. Et du coup, bah, j'ai pas accès à ça de l'autre côté. Donc, je regarde un petit peu ce que ça change. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait que apparaître un coffre. À chaque fois. Allez. Je regarde bien. On est comme ça. Je dois observer comment voilà. La pièce évolue quand j'entre et je sors là, de la diff. Là, il y a ce pont. Et il y avait rien. Là-bas. Enfin, si. Enfin, bref, il y a le pont en plus ou en moins. J'avoue que ça change pas à grand chose, mais ça a permis à la plateforme de passer en fait. Je pense que c'est juste ça. Je pense. Et comme ça, maintenant, j'ai fait passer la plateforme. Et je peux passer de l'autre côté, alors qu'avant, bah, cette plateforme, vu qu'elle était pas là. A été de l'autre côté, je pouvais pas la faire passer. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Voilà. C'est un bon résumé. Par contre, le coffre là, celui que j'ai pris, c'est le même. Hein. En moment, oui, mais bon. On sait rien. Je ne me ferai jamais à ce sol. Wouhou! Oh, j'ai trop hâte de débloquer les pets. J'espère qu'il y en a. Oh, j'aime trop. C'est trop sympa. J'aime trop, j'aime trop. Ok. Oh non, on aura d'autres missions. Je t'ai vu, toi. Faut que je fasse un... des Petrificus Totalus ? Merde. Bon, let's go. Hop là. Comme une ombre en plein jour. Que dalle. Ça a rien marché. Je pense que ça peut marcher, moi. Ok. Non, mais c'est pas le moment de faire des Petrificus Totalus, je pense. Allez, mais ils sont mignons, les défis, mais il faut peut-être arrêter de se foutre de moi. Non, je peux faire ça. Je vais faire ça. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Non, ça marche pas. Ah, pourquoi j'utilise jamais? J'avais oublié que j'avais ça. Attends. Faut que je mette l'autre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà, parce qu'il y a Petrificus. Mince, faut que je fasse ça, voilà. Faut pas que j'appuie sur gâchette. Oh non! C'est ultra classe, le sol en mouvement, j'aime trop. T'as envie de rester dessus pour voir ce qui va se passer, si ça va te découvrir des trucs et tout. Ça va faire des halls, là. C'est un équipement plus puissant. Ah, ça veut dire que j'ai des équipements plus puissants sur moi. Non, il me dit qu'il y a un nouveau. Non, c'est nul.
Non, c'est nul. Non. Ah, ok. C'est très, très pas beau. Ah mais attendez, faut que j'utilise un peu des popos comme ça. On va faire ça. On prend une popo comme ça. Je ne me ferai jamais à ce sol. À chaque immeuble, pour que j'aille me coucher toutes les nuits, j'ai droit. Elle estime qu'il est l'heure. Et qu'elle va dormir pour sa nuit, faut que j'aille dormir aussi, sinon je me fais engueuler. C'est trop marrant. Anticiper. Ok, ça fait. Ok, à prendre avec parcimonie. Non, non, non! Je veux pas sauter! Je voulais faire mon sort! Ah, je voulais faire mon sort! Je me trompe. Je fais A et A, ça fait sauter, mais ça fait aussi le sort si je fais gâchette en même temps. Ça, c'est un peu chiant. Je vais boire un coup. Mais quelle heure? Bientôt 4 heures quand même. Je ne me ferai jamais à ce sol. Mais si en. Trop loin. Incendio. Ok. Oh là ! J'avais pas vu qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Le bâtard ! On fout des petits, c'est celui-là que je veux. Ah, putain! Non! Pour tes go, j'aurais pas dû.
merde. Ouf. Professionnel, il marche plus. Professionnel. Rien dit. Bisous, Bloody. Très bonne nuit. Encore merci pour le resub. C'est très gentil. Merci beaucoup. Réparo. Ça n'a pas marché. Je pensais que je pouvais la réparer. Ça bug, ça bug. Arrête. Ça ne marche pas, meuf. Je vais retenter, mais j'y crois zéro. Si ça veut pas, ça veut pas. Ah non, ça veut pas. Normalement, je peux réparer des trucs comme ça, mais là, ça ne veut pas. Ah, c'est pas grave. C'est pas... Toujours plus facile de détruire que de réparer. Réveillon. J'imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne. Et... oh, y a un coffre là-bas. Remonte-moi, s'il te plaît. Merci. Ah oui, le coffre. Ah, ok. Next. Attends. Ça m'en choque quand les persos spoilent eux-mêmes des trucs à faire. Oui, et d'ailleurs... je crois que si tu le mets en facile, ils te disent constamment. Apparemment, ils spoilent beaucoup les persos. Apparemment. Ce qui est giga dommage. Quoi ici? C'est du vide, hein, on est d'accord que là, si j'avance, je... compris. Mais d'accord, c'était un peu du vide, ouais. Pardon, je suis un petit peu à me porter. Je cherche la merde. Oh, on va aller par là, tiens un peu. Ça me sert à quoi d'aller dans les quatre coins en fait? Bon, elle est là, non? Ah, c'est pour me replacer bien peut-être? Je sais pas. Oui. À demain, des bisous, silence! Comme à l'œil dans Horizon, ou le gamin dans God of War. T'as même pas mis de pied dans un endroit. 2 secondes après, oh, je vois un levier, il faut que tu appuies dessus. Ah ouais, non, ça c'est tellement dommage. J'avais eu un jeu récemment aussi où ça me disait ça. Ah bah c'était Uplactel, pareil. Si tu joues en mode classique, on va dire, je crois, et ben t'as des persos qui te disent constamment ce que tu dois faire, il faut jouer en mode difficile. Il me semble, hein. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Genre, vu que t'as toujours quasiment un perso avec toi, très très rare que t'en aies pas. T'as toujours, oui, même complètement toujours un perso qui est avec toi en train de te dire ce que tu dois faire. Enfin, en train de te guider. Et ben, si tu te mets pas en difficile, il passe son temps à backseat, juste. Ah, voir leur vulnérabilité. C'est vrai que je fais jamais ça. Je le fais en plein combat, ça se fait pas du tout, mais j'ai aucun respect. On va voir. Tenue. Réveillio, ingrédients, balai, créature. Non, c'est pas créature, c'est ces créatures gentilles. C'est gentil. Monstre plutôt. Au final, j'en ai que un tiers en gros. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Je sais pas lequel c'est. Pensive. Expelliarmus pour désarmer. C'est quoi déjà Expelliarmus?
Ok. Attends le jeu, je regarde ce que c'est. C'est quoi Expelliarmus déjà? C'est ça, je crois. Non, c'est ça. Ok. Ah oui, je l'ai pas dans mes barres, attendez. C'est pour ça aussi qu'il y a l'air un peu. Je vais remplacer ça par du gel. Je vais garder ce... Ouais, je vais faire ça. Tac. J'ai besoin d'essayer. Non, c'est Confringo. Mais je me trompe, attendez. C'est pas possible. Mais ça va pas du... Attends, mais j'ai pas mis Expelliarmus. C'est ouf. C'est Confringo. Mais oui, putain. Merde. N'importe quoi, mais voilà, c'est bon. Aïe, je suis gratté trop fort. Je crois que j'ai un petit bouton. Ah, ça fait mal. Avec tel pareil, c'est infernal. T'as zéro temps de réfléchir, c'est ridicule. Moi, le plaisir souvent dans un jeu, c'est aussi de galérer. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup ces passages là où tu sais que t'as les solutions. Parce que bon, il y a des passages aussi où des fois t'es à un endroit où tu devrais pas être et tu sais pas, mais où quand tu sais que t'as les solutions, t'as de quoi faire pour résoudre, mais tu sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, là ça devrait être bon. C'est vrai que c'est un peu mage doux. Je n'aime pas du tout ça. Merde! J'ai raté, j'avais pas visé. Du coup, bah forcément. Oh non, merde. Non, je faisais B, mais j'étais en fin d'animation, fais chier. Allez. Ok, let's go.
T'es trop deg. Va falloir que je trouve un moyen. Hein. Oh, ça fait mal ça. Petit don. Non, j'essaie de voir si je pouvais faire un truc, mais là je vois pas là. Je sais, je peux pas. Je peux pas lui envoyer. Des grosses boules. Non, j'ai... Ah ouais, je vais essayer. Non, ça marche pas. Oh, il est censé être 22. La boule me suit, ouais, mais... Il va vite, ouais. Non, mais... Il y a un truc avec effectivement cette putain de boule, mais je vois pas quoi, j'avoue. Ou alors je fais un Y très vite, mais je... Je vais tester. Pff, trop rapide. Oh, donne-moi ce monstre. C'est un pancine en plus, hein, donc ça devrait être Expelliarmus. Hein. Je comprends pas. Regardez le pancine avec la magie ancienne. Détruire l'orbe pendant qu'il la charge. Mais comment je la détruis? Attendez, je vais regarder dans les... un truc de collection. Ah si, j'en ai un nouveau alors. Ah d'accord. Protecteur. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est peut-être celui-là. Gardien, gardien. C'est pour ça qu'on crée un putain d'orbe. Il est possible de faire exploser l'orbe pour neutraliser et retourner cette magie. Mais comment? J'arrive pas. Bon. Je peux détruire l'orbe, mais il faut qu'il fasse des sorts forts. Je vais pas me régène, je vais essayer. Il me faut d'autres sorts. Là, j'ai dans les sorts que j'ai mis en raccourci, c'est pas bon. Un sort exploit pour exploser les trucs. Si, oui, je crois que j'en ai un en plus, effectivement. Ouais, si. J'ai un peu, en fait, je voulais un petit peu les sorts qu'on apprend parce que il y en a qui se ressemblent beaucoup. Je recommence du début. Oh please! Là je suis un peu dégoûtée par contre. J'ai ça qui fait exploser il me semble. Attends, on va regarder. Et je vais sauvegarder après. Tac. On va faire cette barre comme il faut. Confringo. Incendio Confringo. Bah non, j'ai pas en fait, je croyais, mais non. C'est Confringo, je crois. Mais j'ai pas Bombarda. J'ai détruit les obstacles lourds, je l'ai pas encore ça. C'est peut-être bizarre, je suis peut-être censée l'avoir en vrai. Peut-être censée l'avoir. Là, je vais en mettre un autre. Oh, c'est Confringo qu'il faut que je mette. Ouais, j'ai pas Bombarda. C'est que t'as pas encore. Ouais, j'ai pas encore. Si quand c'est verrouillé comme ça, c'est que j'ai pas encore, ouais.
Oh, fait chier, faut que je me retape pour. C'est l'autre que je veux viser. Non, c'est lui que je veux viser. Non, je veux te protéger. Merde. Non, 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 j'ai pas le temps. Je peux utiliser ça. Ok. Bon. Peut-être que je sorte de ça, moi. Ok, vite. Mais je peux pas la détruire, j'ai pas... je sais pas ce qu'il faut, hein. Merde. Faut que j'esquive. Ça va être trop dur sans ça. J'ai tout fait. Ça a pas vraiment marché, hein. En vrai. Faut que je mette tous mes sorts de destruction, je pense, ici. Ça, ça me sert pas. Du coup, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je pourrais les spammer. Mince! Au moins il est maudit là. Et si je mettais... Petit chou morde, un petit ça, tiens. Tiens voilà. Aïe! Non, je peux plus esquiver, je vais crever. Dommage, je m'étais bien battu. Il fait des orbes violettes parfois. Mais oui, les orbes rouges, c'est qu'avec du rouge que je peux... Enfin, qu'avec du rouge, j'en sais rien. C'était quoi ça? J'ai pas vu. Non, mais je pense que c'est fait exprès après, hein. Ouais, j'ai un ulti qui peut se charger, c'est l'ulti avec les gâchettes, la magie ancienne. Ah merde, j'ai oublié de sauvegarder, j'aurais trop dû, ça m'énerve. Ok. Orbe rouge sur rouge, mais en fait c'est une orbe jaune, alors non.
Mes sorts jaunes, moi, que j'ai, ils font pas mal. Donc c'est bizarre. On va voir. Mais j'aurais pas le temps de réagir comme ça, moi, en vrai. Je peux essayer, mais... Non, mais le sort violet, j'en ai pas. Mais hein. Axio. Je sais pas. Tiens, t'as niveau pour être là. Ah ouais, c'est niveau... C'est niveau 11. Mais après, les ennemis, ils sont scalés, hein, sur ton niveau. Ils sont scaled. Mais après, est-ce que j'aurais peut-être dû... Ça m'aurait pris Repulso, si ça se trouve ça aurait été pas mal, Repulso. J'aurais peut-être dû faire ce truc avant. Je sais pas. En tout cas, on va save ici. Oh, 2h30 de VOD, n'importe quoi, Lox. Voilà, ça marchait plus. À savoir pourquoi. Je n'aime pas du tout ça. Oh, j'avais esquivé ta mère. Fais pas gaffe. Voilà, vas-y, juste lui que je voulais toucher, c'est pas grave. Putain, je fais pas gaffe. C'est pas pour attirer des trucs. Mais oui, c'est ça. Ah, peut-être que l'orbe, après, je pourrais la tirer sur moi. Il est pratique ce truc, mais je vais peut-être le remplacer par Axio. Au cas où, je tombe sur la... Allez, je tente. Ça marche pas, ça marche pas, j'ai tout mis ce que j'avais. Allez. Ah oui, mais bon, j'avais plus rien. Je venais à peine de faire. J'arrive pas à la détruire. Je mets tous mes sorts comme tout à l'heure, ça ne marche pas. Ça la détruit pas, ça ne la détruit pas.
On sort avec la plume, c'est Levioso, ça ne fera rien. Je peux essayer après. Mais bon. Alors, je peux essayer. C'est jaune, donc on va faire ça. On va faire ça et ça. Non, non, non. Non, 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 ça. Merde! Ah oui, c'est ça, t'as raison. Non, 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 j'ai esquivé. Ok. Mais oui, c'est ça en fait. Non, je voulais faire les deux gâchettes parce que putain, je le vois. Oh, de la vie parce que j'essaye de spammer un sort qui ne veut pas sortir, ça m'énerve. Bon, j'ai plus de soins, on va faire ça. Toujours que ça se fait. Non, ça faut que je fasse gaffe, mais je vois pas ce que c'est. Plus du tout de vie. C'était bien les couleurs, bravo! En fait oui, c'était pas un truc qu'il fallait faire exploser, il fallait juste faire gaffe aux couleurs. Ah, eh ben dis donc! Merci! Incroyable! Sympa comme combat, franchement sympa. Honnêtement, ils sont vraiment mieux que ce que que les sensations que j'avais en voyant... En voyant les vidéos un petit peu. Oh mais c'est... Oh punaise! Sympa. Avec un HP resté debout. Ouais, j'ai eu un HP pendant quasiment la moitié du combat. Donc effectivement, c'était pas mal. Bravo à nous. Motif écossais rouge. Bah let's go. On va voir le souvenir. Combattement sur l'armure, sympa. Oui, ils sont bien pensés. On voit bien qu'ils ont, cherché à te forcer à utiliser plusieurs sorts. Ils ont cherché à te forcer à esquiver, à avoir des réflexes. Ce qui n'était pas gagné avec des baguettes. Donc, pas mal. De quoi on va avoir un souvenir. J'aime bien qu'elle devienne méchante, elle. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Qu'y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère.
Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Et la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande. On entend mal la musique. Arrête. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Ah, ces énigmes de Marlin, on dirait, non ? Je sais pas. Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie. Un petit camp et les araignées, c'est pas foufou par contre. Ouais, c'est vrai. Le monde physique. Les boss, c'est quand même bien fichu. Faut un peu réfléchir. Oui. Je regrette un peu parce que pour le moment, tous les boss que j'ai eus, c'était que les mêmes soldats. Les mêmes statuts. Pour le moment, un manque de diversité des mobs. Vraiment. On ne vous entend pas. Faut mieux gérer votre musique par rapport aux paroles. Hein. Mais voilà, elle devient méchante. Je sentais bien. Un petit peu, elle a... Tall motherfucking Gedizor. Il va falloir que je m'habitue à cela. Professeur Rockwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Oui, bah comme tous les profs qui puent la merde en fait. Non, pardon. Comme tous les profs qui cachent un truc, hein. J'espère que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous verrons là-bas. Elle cache un truc, il s'est passé quelque chose, elle a fait des bêtises, elle a fait des sottises, elle a fait des méchancetés. Je le sens, je le sais. Oh, un autre souvenir. Dernier des trolls, des gobelins. Ah oui, un peu les gobelins. D'ici. Bandits, soldats. Ouais. Peut-être qu'en avançant, t'auras d'autres animaux bestiaires. Ouais, c'est ce que je me dis, t'auras peut-être un peu des bestioles plus... Mais ça, je pense que ça va être quand même l'essentiel des mobs, hein. Les araignées, les braconniers, un peu de gobelins, et ces mobs-là dans ces énigmes. De la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de la carte. Bon, tant pis, je diviserai ma VOD en deux, parce qu'on va être à 3 heures bientôt, c'est pas grave. Un dragon, ouais, voilà, c'est ça, j'espère vraiment qu'il y aura des trucs comme ça, un basilic, un truc. Que sais-je encore. Il y a moyen. Donc pour le moment, un petit peu mitigé quant au... Bestiaire. Qu'avons-nous là ? Ah, on a débloqué un nouveau monsieur. Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, Rockwood. Ouais. On se connaît un peu, non ? Vous me dites quelque chose, monsieur ? Vous avez dû me voir dans la première pancine à laquelle vous avez accédé, à Gringotts. Alors, vous avez trouvé le porte au loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine. Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Ah. Bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins. L'élève, je suis l'élève. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Les streamers, ils ont tellement speedrunné, je les regarde plus. Aucune idée où ils en sont. J'aime bien suivre un peu l'histoire, moi. Ouais, bah ouais, c'est ça, et moi, je prends... Peut-être un peu trop mon temps, mais... J'aime bien. Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant que la sorcière de la dernière pancine, Isidora, n'enseigne à Poudlard,
Elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Une dispute gentillette, hein. Espérons que la prochaine pensée nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Sirona. Pour savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs, oui, monsieur. Franchement, maintenant, avant que vous ne... j'aime trop la dégaine de mon perso. Elle a trop du swag. Avec le look adéquat, c'est parfait. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. Si, si, si. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Si, si, on en a trouvé. De notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Ah, petite cinématique. Sympa. On n'en voit pas des masses, des vraies cinématiques mises en scène comme ça et tout. J'aime beaucoup moins. Les cinématiques où tu vois juste deux persos qui discutent. Ah non, d'accord. Bon, j'ai rien dit. C'était une petite transi. Écoutez, c'est très bien. C'est très bien parce que je comptais arrêter la VOD là. Donc c'est bien. Comme je joue aussi de mon côté, les gens qui jouent 10 heures par jour, j'ai du mal à savoir où dans le son. Ouais, c'est ça, hein, y a ça aussi. Hein. Et moi, je joue vraiment très lentement parce que j'aime trop chercher les énigmes, looter, essayer de faire des trucs sympas. Venez me voir dès que vous pouvez. Vraiment, il disait qu'il y avait un super à spammer ici. Ouais, bah ça, on l'avait déjà vu, ça. Et voilà! C'est un peu rapide le retour post-ciné là. Ouais, en fait, je voulais vraiment voir un petit cinématique ou même juste de vie à Poudlard, de sensations de temps qui passe en fait. Ça aurait été sympa. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé. Onaï, c'est la maman, je pense, de. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau. La Gryffondeur qui nous parlait. De faire descendre des objets. Il me semble qu'elle a le même nom. La honte. Du coup, si je le fais là... Ouais, ça marche peut-être pas. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est sympatoche. Bisous VOD. À ce plus. Je l'ai pas arrêté. À ce plus.